We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma. Zamana qui nous fait vivre, qui beaucoup jeunes par exemple qui entendent pour le faire nikah, mais pas connu que ça veut dire nikah, qui nos responsabilités, qui était ça, bah, tandis que nous trouvons certaines des autres formes de faire une formation de plusieurs mois de connaître qu'il y a une responsabilité mariage. Mais aujourd'hui, ce qui nous tendait plus souvent, c'est qu'il nous tendait à finir le mariage hier, tantôt, je vais remonter par là. Une bonne petite chose comme ça. Alors, premier sujet qui m'a foutré avec aujourd'hui, c'est un nikah et donc troisième semaine, le couple de l'eau, Salah, Inch'Allah. Le sujet est bien grand, il passe, et nous pouvons aussi, malgré ce qui est essentiel, nous commençons par le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit concernant un nikah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: يا معشر الشباب او بنزنس يا معشر الشباب او دكو او بنجن اي جن concernant l'islam جن concernant l'islam c'est pas veut dire ce qui nous concevoir jeune en termes qu'on appelle l'adolescence non jeune dans l'islam c'est aussi en tant qu'individu et là sa capacité morale et physique. Une capacité morale et physique. Alors, jeune, quand on dit jeune en islam, c'est du signe à sa capacité sur le moral, sur l'intelligence. Il y a encore au point, alhamdoulilah, et en même temps, physiquement, il faut. Physiquement, il faut, donc il est capable d'engager, par exemple, dans l'ICAC, il est capable d'idéalisme, progrès, c'est-à-dire continuer la continuation de la progéniture. Le Ummah Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'adresse avec sa jama'a. Ya ma'ashar al-shabab, ô ben jeune. Tout ben qui n'a capacité. Vous trouvez, ya ma'ashar al-shabab, qui Rasulullah dit, man istata'a minkum al-ba'a. Qui celui qui a le moyen parmi eux. Man istata'a minkum al-ba'a. Qui celui qui a le moyen parmi eux. Falyatazawwaj. Là, on a un autre mot pour le mot nikah. C'est azawaj. Un autre mot pour nikah, c'est zawaj. Alors, manistata'a minkum al-ba'a, qui celui qui a le moyen pour qu'il est marié, falyatazawaj. Qu'il est marié. Ça, c'est hadith Sahih Bukhari wa Muslim, Sahihayn. C'est un hadith qui est sahih. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui adresse avec sa jama'a qui jeune, qui a la capacité sur l'intelligence du correct, sur l'esprit du correct, et en même temps physiquement aussi du correct, pour dire de l'Allah. Mais il adresse avec sa jama'a, mais qui celui qui a le moyen. Premier affaire, un architecte qui savait dire moyen en islam. Qui savait dire moyen en islam, le Bekoz Jornika, qui savait dire moyen. Moyen en islam, et il y a trois petites choses, mais matériellement pas là. Trois petites choses, mais, m'aurait dit seulement matériellement pas là. C'est-à-dire, quand il mangeait, madame l'a aussi mangé. Ainsi, quand il boit, madame l'a boit. C'est-à-dire, en termes de nourriture. Deuxième, quand il est habillé, madame l'a aussi habillé. Ça, c'est deuxième. Et troisième,
ce qui connaît cacher la prisonnerie, c'est-à-dire du vent, etc. C'est-à-dire qu'il y a une chaleur, on est dans la case, et ça va donner aussi besoin sous un toit. That's the only and only qu'il appelle moyen en islam concernant un type de fenica. Écoute bien ça qui tu veux, ça c'est une bonne leçon. Si nous disons, prenez, il y a ce qu'appelle moyen pour moyen, un tel et un moyen pour moyen, qu'appelle moyen en islam, sharia, parce que le sujet c'est nikah selon la sharia. Le sujet aujourd'hui à traiter, bi'idhnillah, azza wa jal, wa sallati nabi, et Muhammad Abdul Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nikah selon la sharia, pas selon un tel sur l'opinion, pas selon un tel sur façon de penser, pas selon mon opinion, non, selon la sharia. Manista ta'amin kumulba, qui celui qui a le moyen, moyen en islam veut dire quoi? Moyen selon la sharia veut dire food, clothing, shelter, matériellement parlant. Vous pas qu'à manger, moi, pour madame, pas manger. Ça veut dire que vous avez moyen de ni nourriture, vous avez besoin de moyen de s'habiller décemment, et vous avez besoin de moyen qui peut casser les temps mauvais, le soleil, la pluie, ce qu'on appelle un shelter, un toit. Voilà ce qu'on appelle moyen. Moyen en islam concernant l'Ikah, au bas de jeunes qui peuvent faire, qui, Inch'Allah, pour moyen, ou bien fini moyen, ben, papa qui se dit pour moyen, Inch'Allah, voilà le message, ben, c'est si pétendé, Alhamdulillah, Allah, voilà mon papa, n'est-ce pas, c'est pétendé. Moyen en islam n'a pas média, ben, pas le pied dans l'eau. Moyen de l'islam n'a pas média, ben, pas le pied dans l'eau. Moyen de l'islam, pas média, Mercedes, soit BMW. Moyen dans l'islam veut dire, vous capable, un papa c'est ce droit ça, tu capable de mon petit fils manger bon, oui, tu capable d'habiller comme toi habiller, oui, tu es capable de donner un toit pour y rester, oui, ça veut dire moyen matériel. Mais moyen, premier moyen de tout ce qui tu veux, première chose qui nous mettait, c'est la côté spirituel. Qui nous mettait premier? Le spirituel. Un garçon avait une petite fille des mains. Première question, qui te travaille? Hein? Qui te travaille? Combien tu gagnes pour moi? Qui te travaille? Combien tu gagnes pour moi? Souvent, les fois, c'est la première question. Il est au droit, ça? Il est au droit de demander ça. On va dire, pas gagner droit, pas mal pour moi, gagner droit de demander normal parce qu'il concerne un food, shelter, clothing. Hein? Pas qu'à se loquer, ça. Disait un travail, disait un tout ce qui est seulement juste, hein, juste, mais non, rien exagéré, c'est juste, ni normal. Alors qu'il y a un droit de demander de travail, mais seulement au moins, quand on peut écouter sa cause, là, quand on peut prendre sa leçon, qui ça n'a pas vu nos premières questions? Qui ça fait une dépense, qui n'a pas vu nos premières questions? Qui te travaille, combien de la paye pour toi? Là, on commence à te compte. Non. Première question. Première affaire qui nous guette, c'est sur Aqidah, l'islam. Premier pilier de l'islam, c'est l'imam du Tawhid, c'est-à-dire le dogme. Qui prend la question pour nous guider? C'est sur Aqidah, sur le dogme. C'est la première affaire qui nous guette. Parce que si ça va bon, tout va bon. Première affaire qui nous guette sur l'ilm du Tawhid, qui position? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, il paraît comme assimilé avec la création? Est-ce qu'Allah pour toi, il est au trône, il est au 7e ciel? Allah est dans la main, les pieds, etc. Mais ça entraîne quelque chose là-bas. Sur le knowledge of Tawhid, ça c'est le premier. Deuxième, si ça bon, alhamdulillah, il paraît pas seulement. Si ça bon, deuxième affaire, c'est l'incorité. Est-ce qu'il t'observe 5 fois salat? Est-ce qu'il t'observe combien de fois salat? Pas 4 fois. Pas 3 fois. 5 fois salat. Est-ce qu'il t'observe 5 fois salat? Alhamdulillah. Si tu n'arrivais de vite mal et qu'elle descend, tu joues vos zakat, est-ce qu'il te fait payer le zakat? Oui, alhamdulillah. Aqidah bon. Knowledge of Kalimat du Tayyib bon, alhamdulillah. Salat 5 fois, mashallah. Zakat, alhamdulillah. Tu gardes ton rosa Ramadan. Tu as la santé, physiquement tout bien, tout à fait correct, tu n'as aucun problème, tu gardes ton rosa. Oui, alhamdulillah. Et si tu n'as le moyen demain, qui premier voyage que pense pour entamer va le faire, Hajj, Inch'Allah, Alhamdulillah, et sa première petite chose. Quand on est sa première petite chose, les gens deuxième petite chose, vous avez le temps de demander, mais ça pourtant prenez le travail. Parce que vous avez assez de sécurité, votre fille.
Tu as connu comment tu dis que ça d'abord. Les gens disent niveau droit légitime, selon la chérie, point papa, demande sa titre, ça, parce qu'il n'a pas encore à l'élection de l'esprit. Ça veut dire moyen. Ça veut dire moyen, veut dire que vous êtes capable de moins manger, que vous êtes capable de habillement et que vous êtes capable de moi sous un toit. Alors, par exemple, les résumés parfois, est-ce qu'il y a un petit peu de travail qui s'y cue? Mais c'est mon papa là que tu me demandes, oui, il y a un petit peu de travail qui s'y cue, là, là où tu ne peux pas pouvoir manger, pas pouvoir boire, pas pouvoir l'habillement, et tu as là, au cas Paris, ou pas dans son sous ton bonheur, non? Mais c'est même, tu as là, mon Dieu, tu ne peux pas pouvoir venir, venir de là, même si arrivé pour venir dans la case, loué. Ah, la case qui te reste là, la case, pour toi, ça, la terre, là, tu vas pas pouvoir commencer des aliments. Même si la case, loué, bye. Mon père capable, payé par moi. Alhamdulillah, no problème. Papa n'a pas besoin de demander, mais combien la paye, ce qu'un point virgule de régner. Non, 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 du moment qu'il finit, j'ai avancé, alhamdulillah. Premier, donc, il faut dire, avant, deuxième, ces choses matérielles qui légitiment selon la chéria. Du moment ça, nous faisons bismillah, nous pouvons que ça des moyens. Très bien. Alors, Rasoul alayhi salat wa salam, kadé, c'est que ça, jama'a, qui a sa moyen qui nous fait une cause là-là. Premier, de l'aide, j'en dis. En général, les cinq piliers fondamentaux, qui est le premier, l'aqida, le dogme, et ainsi de suite, salat, zakat, roza, hajj. Premier, de la sa moyen là. Deuxième moyen, c'est que nous ne comprenons pas qu'il moyen de la première, din. Aïe, din. Personne n'est pas obligé de la ramener. Mais the sufficient provision, design. Design the sufficient provision, sufficient knowledge of din, design. Deuxième moyen, est-ce qu'il y a la ressource d'accadresse et qu'il y a sa moyen là. Deuxième moyen, c'est qu'il est capable de lire food, clothing, shelter. Right? Alors, la ressource d'accadresse, la liste d'accadresse, comme le bas, pour celui qui a sa moyen là, parmi ceux qui a marché en Shabbat, au Vangel, Faliyat Azawaj. Mori. Celui qui a sa moyen là, qui dit Mori. Fa'innahu, quand certainement, Moriaz. Arabe le basan, il faut être zut pour baisser zut regard devant la naissance. Quand c'est un mariage, il y a un shield, il y a une protection. Bi'idhnillahi ta'ala, par permission Allah, mariage, il y a un shield, il y a une protection, il y a un bouclier, il agit comme un bouclier qui aide l'homme ainsi que la femme pour baisser devant ce qu'on appelle la naissance pour se préserver. De munkarat wal-fahwa'ish pour se préserver de le mal, des mal, des maux de la société, des maux de sa création-là, de se protéger contre l'immoralité. Arabul al-basar wa ahsanul al-faraj et il protège ce qui trouve entre ou de la cuisse, pour moi c'est une traduction littérale, c'est-à-dire le pote privé où il n'a pas comme dans ce qu'on appelle zina, illegal sexual intercourse, car comme dans zina, adultère, etc. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il y a un parmi les plus grands réseaux de Al-Nikah. Et dans le hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Nikah ou min sunnati. Nikah ni mon sunna ça. Et le hadith dit, Faman ragiba an sunnati. Voilà, c'est pas même hadith. Bien qu'il n'en faut pas souvent, il y a un imam de soutenir ensemble, mais pas même hadith, c'est des différents hadiths. Al-Nikah ou min sunnati, Nikah ni mon sunna. Le hadith, le man raghiba an sunnati, falaysa minni. Celui qui tourne les deux délibérément avec le sunna, alors comme c'est le dit, c'est-à-dire pas du moi, c'est-à-dire, il n'est pas capable de bénir un ancien de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. L'affaire de mariage, c'est pas une affaire qu'on est arrivé. Laisse-moi l'âge un peu monter, qu'on profite la vie un peu. Les jeunes pensent comme ça un peu aujourd'hui. Laisse-moi profiter la vie un peu. Sinon, comment je vais dire, vous m'avez mettre la peau de l'écou. Tout ça m'a causé là, que tu m'as causé qui est contraire au sunna. Quand on dit ici, lorsque la ministre de la dit un nika comme une sunna dit. Avant nika, on a une autre cause à cette année, nous allons dire la vie jeunesse. Je n'ai rien. Qui ça veut dire sans dire la vie jeunesse? Ou envie de profiter aux jeunesse bien, marier. Alhamdulillah, c'est une meilleure arrivée au lieu de ça. Un nika comme une sunna dit. فمن رغب عن سنتي الذي حديث celui qui tourne les deux avec le sunna, il n'a pas de moi. Il n'a pas de clé, il n'a pas de rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça protège-lui avec tout ce qu'il appelle l'immoralité. Un ami sallallahu alayhi wa sallam, aussi djanou, تزوجوا الودود والولو. تزوجوا الودود
quand je vais choisir une fille pour se marier, choisir une fille qui a un bon caractère, jolie, aimable. C'est-à-dire, il y a sa capacité de donner l'amour. C'est-à-dire, l'amour pour ce monsieur, l'amour pour ses enfants. Waloud, il y a l'amour aussi pour les enfants. Choisir une épouse qui a l'amour à donner à ce monsieur, l'amour pour la case, et aussi il y a l'amour pour les enfants. Jeudi, quand le moyen, que venez nous profiter du voyage 5 ans, hein, après 5 ans, nous faisons un débat après 5 ans, l'autre si j'ai l'année, nous venons faire un débat pour les enfants. Comment dire, nous qui décident ça. Ou bien il y a un homme qui dit gagne craquant, mais que venez qu'avec moi, que nous prenons une misère. Comme si nous gardons ça. Bon, commencez à lire, vous pouvez respirer là. Moi, normalement, je pense une fois dans la journée, la main, vous êtes en train de demander, vous pouvez respirer là. Si ça n'est coupé, il y en a couvert. Voilà comme il traque en guerre, il dit bon, on va vous signer en haut. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait nous connaître, le Coran, 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 c'est lui qui me provisionne tous ceux qui habitent dans les cieux et sur les terres. Et le même apporte quelqu'un qui provisionne Dieu, qui donne Dieu de risque. Et le même apporte quelqu'un qui s'amènera quand il nous met gagné dans l'eau. Alors, les dire, il fait un plan, il dit après, le médecin nous rend compte après, il fait un plan. Non, alors qui, un avis son temps, il va aller choisir. Quand il choisit une fille, quand l'homme peut choisir une fille, des hommes, quoi, Dieu, le roi d'où, d'un roi d'où. Un qui est aimable, qui est content sur Michel, qui est content sur la case, mais en même temps qui est content, elle porte carrément le caractère, qui est content, quoi? Les enfants. Il y a l'amour pour les enfants. Les contents enfants. Peine madame qui part content enfants, nous, elle qui est content enfant. Enfin, il dit, écoute bien que le soul, ça peut voir aller, quoi, ça veut dire, oh, ma jeune, ma frère, ma soeur. Si aujourd'hui, ou un moment, fait comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala asha wa jal fait nous être parmi dans le sahabi et mettre nous dans le petit maman et nous jour. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait comment dire Vina là, si je veux, est-ce qu'ils sont capables de faire une petite chose pour moi, de moi une petite chose? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui refuse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu pourrais refuser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous gabelle nous, asha wa rasul, non? Est-ce que tu refuses Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, écoute bien, qui c'est la petite chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient demande sur Umma. Vous voyez qui vient demande sur Umma? Il dit, Tazawwajul waloud al-waloud, marie avec madame, avec une madame qui est imam, qui a l'amour à donner et qui fertile, c'est-à-dire qui compte aux enfants, qui est capable de gagner des enfants, qui compte aux enfants. Qui compte aux enfants et qui est capable de gagner des enfants, qui fertile. Il dit, فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ qui, Inch'Allah, par ce nom, me surpasse tout mon corps qui vient là avant. Mohammed surpasse le nom de tout mon corps qui vient là avant. Qui dit ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, en résumé? Grandis Mohammed, ya Ummati. Oh Mohammed, grandis Mohammed. Grandis Mohammed, fais que Mohammed, il grandit qu'il y a un triama, par votre nom, par votre obéissance, par votre amour pour moi, je vais faire honneur à vos demandes à votre. Qui sont-ce qui m'ont fait une demande à votre? Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu fais juste demande nous ça, ya Rasulallah, augmente le humain. Et voilà, ça joue là, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai beaucoup fier, qui grâce à votre nom, par vous, pour moi, je viens grandir mon Umma et mon Umma dépasse tout mal mes corps à mort en eau. Mon fier, ça vous plaît. Je viens obéir à moi. Voilà la raison. En le rencontre de l'indicat. Nous, quand nous faisons l'indicat, on retient encore aujourd'hui qu'il peut arriver ce système, d'Adjalik système, de Dajjal système, la mode de vie de Dajjal, qui peut faire nous reconnaître qu'on va aller nous consommiser à la pauvreté. La vie nous dit, mais si vous avez des enfants là, vous vous mettez les misères. Quand vous avez des enfants, vous vous mettez les misères. Quand vous vous battez, quand vous vous battez, vous vous mettez les misères. C'est que vous avez one eye thinking, one eye seeing, une seule façon de voir les choses. Vous n'avez pas de façon de voir les choses. Parce que vous avez des choses, vous avez des choses. Mais vous avez des choses, non?
Papa, vous des garçons. Aster, un Nabi صلى الله عليه وسلم dit à une zone, il est marié avec une madame, d'ordinairement, quatre raisons, il est marié avec une madame. Il y a quatre raisons qu'une zone marié avec une madame. Combien de raisons il y a? Quatre raisons. Rasul صلى الله عليه وسلم dit à une zone, tout le monde a tout le monde. Vous venez là avec une madame pour quatre raisons. Qui sont quatre raisons là, ça? Rasul صلى الله عليه وسلم dit à une zone, et là, un homme est marié avec une madame parce qu'il engage bien sa madame. Ah, c'est la prière moyenne, par exemple, qu'il soit lié à moyen, il a la vie, elle est qui risque la vie. Il a des gens qui ont moyen, il a des gens qui ont beaucoup de gens. Ça veut dire, quand on a un petit mot, on est dans le monde, on a un petit peu de galop, il a un petit peu de galop, un petit peu de galop, un petit peu de galop, il a un petit peu de galop, est-ce qu'il y a ça ou non? Rasulullah peut mentir, sallallahu alayhi wa sallam, et là ça a mentalité là. Et là ça se passe aujourd'hui. La bonne est-ce que c'est moi, il y a un petit peu de temps là. Deuxième, Wali Jamaliha, écoute ça, madame bien manzélise. Un homme est marié avec une petite fille à cause d'isolé. Alhamdulillah. Fina beauté, madame la beauté, mais moi, ça, alhamdulillah. Vous dites ça. Alors, une deuxième raison, parfois, un garçon, il m'a identifié à cause, ce qui vient. Parfois, un garçon, il m'a identifié à cause, ici, tout même beauté, numéro de Paris, madame. Ça, c'est un numéro de haut, plus bien. Le mannequin, numéro de Saint-Denis. Allez, numéro de Paris. Alors, numéro de Samanda, alors, là, les examens corrects, ils trouvent 6 jolis, allez. Numéro de 6 mannequins, allez. Troisième raison qu'un homme arrive pour avoir moyen avec une madame, il a sa vie à cause de nos familles. Ça, madame, mon mari est là pour personne ce nom. Mais faire ma dire, le mari est là pour personne dans mon vie, soit en train de nous faire un dans la langue. Mais faire maintenant avec lui, mais quand on va dire, sultan boulain, je suis un petit fils, je vais comprendre. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, sultan, déjà, mais non, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça m'a ancien ou là, le temps ancien ou là, de 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 là. Ou dernière raison qu'un garçon va identifier, les dignes. Il va y avoir un petit fils qui fait. Dès que ça va dans ça, comment est-il là? Premier affaire là. Premier coup de cause pour identifier là. Qui t'y fila, vous avez été premier dans l'orçon là? Qui papa t'y fila, il était dans l'orçon là? Qui t'y fila, il était dans l'orçon là? Premier affaire, qui était? Je dis. Deuxième affaire, il y a sa sécurité qui nous cause matériel là. C'est un problème à la même. D'une manière, deuxième sécurité matérielle. Sécurité matérielle là qui est de full production de la base, c'est la même. Il y a ça avant. Quand il finit, il y a ça avant. Vas-y, ça c'est bien. Dans ce là, qui l'idée de l'identification, vous pouvez comprendre à qui ça qui n'a rien à voir. Un côté, tu peux identifier, tu peux quelque chose. Dans ce là, quand il identifie là, qui dit à ce bien, l'idée, l'idée, c'est que l'idée de l'identification, l'idée. Il m'a identifié, il est pour ce digne. C'est la raison qu'il m'a identifié là, à cause digne qui lui finit pour émaner des certificats. Là, il est arrivé. Fanfar bizat il dit. Alors, meilleur là-dedans, choisir celui qui l'a dit. Sinon, taribal yada. Sinon, vous prenez la main ou vous mettez la main. Sinon, qui va arriver? D'arriver à Dada pour mettre la main dans la tête, qui m'a fait, hein? Hier, il m'a envoyé après une semaine, bah, il m'a mis l'enfer. Qui fait, il m'a mis l'enfer, bah, il m'a choisi un mannequin, bah. Il m'a choisi un pari, pourquoi tu me fais la vie pour pourri? Hein, ça me fait, il m'a choisi un pari, ça me fait pourri. Hein, donc la vie pourri. Je dis, bête qu'est-ce, bah.
choisi l'un, moi choisi le moyen à cause de son richesse. Et quand moi choisi son richesse, je n'ai pas envoyé ça. Alors, je vais tout le temps me dire que c'est mon amour. Alors, je dis que tu as cela, je n'ai pas envoyé avec un affaire belle bosse. Quand on rentre, bosse ta calme, qui te le fait, tu as un manger, puis une quantité. Pas un NPC, pas un tout, non, non, mais comment tu as la bosse? Parce qu'il y a un moyen qui me dit que c'est mieux, qui voulait me laguer ça pour même, là, on a trouvé ça, là, je ne connais pas pour lui tirer. Finement, de toute façon. Finement, de toute façon. Grand problème. Il n'y a pas de tabou, ça m'a dit, c'est même un frère, rien, rien, tout le monde. Mais pas de tabou, qui s'est causé ça. Il n'y a pas de problème, qui s'est causé la réalité, on se retrouve dans l'enseignement, bah. Oui, c'est ça. Moi, moi, il y a comme ce nom. Mais vraiment, il y a cause nous, on a un grand problème, ça c'est pas nous, maman, ce problème, pas bon, venir de côté. Mais par contre, si vous voyez à cause digne, une chambre en première sexe, le venir, et voilà. Simple en beauté qui est là. Simple en faveur qui est là. Ah ben nous continuons, mais dès que le sourd s'en va aller, ou aller, je veux dire. Et le hadith, le sourd s'en va aller, ou aller, je veux dire. Adunia, c'est une mouvme. Sadunia là, il y a une prison pour un mouvme. Allah. Adunia là, il y a une prison pour un mouvme. Wa jannatul kafir. Il y a une janna pour un kafir. Vous comprenez quoi c'est là? Sadunia là, il y a une prison pour un mouvme. Il y a une janna pour un kafir. Seulement, il y a un hadith. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Adunia, Sadunia là. Mata'ou, sa dunya là, c'est une place de réjouissance ou bien la joie. Sa dunya là, c'est une place de réjouissance, de se réjouir. Mais nous fait qu'apprendre qu'il dunya là, là, il y a une prison pour un mu'min. Ici, un nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à dunya, mata'ou, est-ce qu'il est contradictoire? Non, écoutez bien, bon. Allez, ça va pas finir. Al-Dunya Mata'ahu, sa dunya là, il y a une place de réjouissance. Wal-Ghayr Mata'ahu Dunya, et qui est là à réjouir, qui est là à réjouir sa dunya là? Voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit que c'est un rabat, c'est sa dunya là, il y a une prison mal mu'min, il y a une quelqu'un qui a fait. Sa dunya là, il y a une place qui mal mu'min, qui va jouir là-dedans. Qui sont ces réjouissants sa dunya là? والله ورسوله عالم الله ورسوله بيكوني إجا المرأة الصالحة سيكيكا ألا أقول أن يكون سكيبيرس كي سر رجويسانس في سابينيانا كي سر رجويسانس في سابينيانا سيكيكا الله عز وجل أقول أن يكون صالحة أن يكون سكيبيرس. La fille, quand elle peut choisir un garçon, quand elle peut accepter, papa l'a accepté, la fille peut accepter, elle peut être premier digne. Et dans son asile, elle peut être digne, elle peut être premier, elle peut être digne. Et bien sûr, quand elle peut être digne, premier, deuxième, elle gagne le droit d'être sur côté. Deuxième, elle gagne pas rien. Deuxième, elle gagne le droit d'être sur côté. Bien sûr, madame, vous êtes plaire. Bien sûr. Les droits de l'homme, ça. Mais premier qui est là, pas qu'il côté premier. Premier qui est là, après il y a un côté là. Seulement, après le troisième, il y a la famille. Troisième qui est la famille, de qui sens. C'était cette famille, la digne, ça. Mais après, il y a quand même. Il n'y a pas quoi le guetter, c'est pas caste, vous voyez. D'abord, c'est pas le grand côté, bien. C'est parce qu'il y a un soul, disant. C'est parce qu'on a mes mains dans l'île et dans cela, sur tes mains dans l'île, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut exploser tout ça. Vous tirez tout ça, peine à ça. Peine, celui qui claire, pas plus meilleur, celui qui noir. Celui qui noir, pas plus meilleur qui claire. Celui qui jeune, pas plus meilleur qui nous l'aider. Peine à sa main de différence là. Ce qui démarque nous dans considération au jugement d'Allah, inna akramakum indallah inna taqakum. Meilleur parmi ceux dans le jugement d'Allah. Celui qui n'a plus de droit parmi eux. Quand nous faisons cela, nous épaules, les épaules, nous séduisons, nous séduisons, nous même ça. René Ministre, quand on peut dire que vous t'acquittez, ça marche, ça marche, quand on peut dire que vous t'acquittez, ça fait rivaliser là. Tout peut dire que vous
تنزل. الإسلام ينقال تو. Meilleur celui qui n'a pas quoi parmi vous. Alors, ça cause moi les certifie qu'il n'est pas pour mettre la mélo la tête. C'est la meilleure jouissance qu'il y a dans sa dunia là. Qui meilleure jouissance de dunia? C'est qui, quand on bégait sa madame là, il n'a pas quoi, il n'a iman. La fin de Surah Al-Furqan, il est un dua à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous en voilà. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. ربنا أرمل حبلنا من أزواجنا في قضاء الزكوز وذرياتنا إذا من زافا قرة أعين لدير مغاية كل ناس موليجي سامي جانا بيت من بيت من جان نو بس أكبر دير كم بيت زب مدو ريفلكشن إيمان أقوى واجعلنا للمتقين إماما إفتنو سيدي مو مدام من زافا من من ليدر لمن كنا تقوى Apabila mana kami bawa muntahkan asir, bilida bawa mati muntahkan. Saya dah buat ini kompetisi oleh dalam muat saya Allah, biuvre, biuvre dengan nama Nabi Allah Subhanahu Wataala. Saya kini meyer. Asir dan sampai naskah dari Allah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Papa. Dan Papa di sini di wali di guardian. Ikut saya. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم من ترضان دينه وخلقه أو بن بابا إذا أن غرسون من دمان نامين وتفي إذا ينا دين إذا ينا بو كاركتير لما نفعل ما تفعل ينا دين أبقى ينا بو كاركتير دين أتشي أبقى بو كاركتير Si un garçon me demande la main ou une fille qui est une digne première, elle est un bon caractère. Il y en a ça, faisant 8 jours où moi une petite fille avec lui. Faisant 8 jours où moi une petite fille avec lui. Wa illa tarbun fibnatun fil ardi wa fasada alayna l'okon. Si c'est le contraire, si vous réfugiez, qui vous payez la raison légitime. Qui n'a aucune raison légitime selon la Sharia ou réfute sa mention là à cause où c'est pour une la corruption et pour une désordre dans la terre. À cause où pour une corruption et pour une désordre dans la terre. Voilà une menace de la part de Seyyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le sable, les bons qui nous attendent, je m'étendais, n'a pas dans l'islam pour l'unanimité tous les quatre mazhab. La sunna est bien claire, n'a pas qu'un roi fausse, individuelle, et contre ce gré. Moi, je fais troisième un individu, moi, je trouve un garçon, je extrait content sa garçon là pour me dire, je suis un petit content, ça va aller dans la limousine. Moi, je serai content, je me dis, je gagne droit. Je me suis tombé, je me dis, mais un tel, vous êtes un bon garçon, un joli garçon, tu ne pas quoi, tu ne pas quoi dire, tu vois, et maman, il y a un droit, fait ça. Il y a un droit, fait ça. Mais tu dis là, si tu gagnes un droit à dire que papa, papa me comprend pas, mais moi tu as content, fais pas plaisir, mais c'est mon papa, je vais te dire à tes fils, ça ne va pas comprendre. Zamé l'islam, il dit, non mais, on dit ça, c'est pour dire, c'est un mauvais terme, là, t'as causé, les contraires au sunna, on pense à vous faire la vie. Pas gagner le droit. Ou bien que papa, là, il gagne ni 16 ans. Les 16 ans, il m'a dit, si je veux, il m'a moulé, il m'a moulé, ça, dans ce moment-là. Moi qui décide ici. Salam di haram. Salam di ayat. Iba makmur. Salam di haram. Esok moyang saya punya kira wajib. Enfok kan poin-poin ini moyang. Jika nikah, mau poin ini nikah mau minit malam. Nampak saya dalam kompas. Kena tu pasal moyang moyang. Liam ni pasti pada dalam. Right? Mais bien attention. Non, gagne droit proposé, mais pas imposé. Gagne droit proposé, mais pas imposé. Maintenant, un garçon, on avait des bonnes filles, si vient content, un garçon est content, papa l'a combiné, trouver un adigne premier, trouver un moyen, ce qui ressemble là, c'est dans l'année où est-ce qu'il y a là, trouver un achat d'affaires là, trouver un achat moyen là. Papa l'a dit à vous, écoutez, on va voir comment il y a là. Mais qu'il faut me réviser, vous connaissez combien de ça est là, vous connaissez combien de moments que je vais faire, vous savez, qui vient me réviser?
ne pas gagner mesdames. Je ne pas gagner les filles. Sophie Diaba, là, au moins. Sophie Diaba, là, où Sophie Diaba, là, de TV, bah, hein. Ah, bah, il y a oui. Qui raison bénéficie? Qui raison se donne à chaque heure pour bénéficier? Ah, vous bénéficiez à connaître vos guerres. Mais après, oui, à l'après. Vous bénéficiez à cause d'un terroriste, vous bénéficiez à cause d'une telle vis, tel problème, et après, vous avez vu à la témoignage, hein, à tout à fait. Mais qui peut bénéficier? Il y en a qui se dit, oui, c'est le parti d'amour, il fait accomplir ce même devoir, un pilier de l'islam, oui, il y en a un petit peu à ce travail qui descend, à la paix, descend, il n'y a pas de gagner, ou tu fais pas pour moi, non, rien, correct, mais qui raison bénéficier? Vous n'y pas qu'on a dit. Il s'en a dit légitime, il a payé pour ça. Il a payé, il a pour l'école, pour payer pour ça. À cause d'où, dans ce sens-là, il arrive à le sentir, pour il a des autres dans la terre. À cause d'où, pour il a des autres dans la terre. Alors, il a mis un ami courant, qui pour dans ce sens-là, un message, concernant Nika, à l'autre concernant. Magnifique, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, va nous payer, nous, avant de il dit Fankiru, sur An-Nisa numéro 3, Fankiru ma taba lakum min An-Nisa. Mariez, Fankiru ma taba lakum min An-Nisa. Mariez avec madame des autres choix. Là, on en trouve preuve aussi, qui de vos choix, disait la digne première, et déjà qui disait la deuxième, disait Réna, qui aussi qui lui plaît à moi. Premier, c'est dire, elle lui plaît à moi. Mais ça, il disait, hein, il plaît à moi, Alhamdulillah. Et alors, Fankiru ma taba lakum min An-Nisa, mariez avec des épouses de votre choix. Alors, Masna, alors, mariez des épouses, wa thulatha, mariez trois, wa ruba. Écoute ça bien. Allah subhanahu wa ta'ala permet à l'homme pour marier des madames, soit pour les marier combien madame? Trois madames, soit les permet pour marier combien madame? Quatre madames. Quand tu as ça, on vit un petit bout de ressortir là. Parce que ça ici, pour moi, j'en ai beaucoup de cartes pour vous poser la sortie. Aïe, prends ça. Vous connaissez quand tu as ça, soit une sœur, soit une frère. Non, on peut la semer, un papa des motifs, on peut mettre tout ça, moi, des gens maintenant. Ou bien, un bâillement, on a dit non, ça, ça, c'est ça. Ou bien, une division, non, ça, ça, même pas accepter ça. Ou le faire couvre, tout le faire. Ou le faire couvre, parce que ça, c'est la loi, là, qui lui permet. Si un djibou n'y a des moyens de guise, fais la personne qui a envie d'aller me barrer et croire ça. Allah permet ça où qui veut dire là. Allah permet ça où qui veut dire où. Si djibou n'y a tout moyen de nous causer là, il y a tout moyen pour faire ça pour des madames, pour trois, pour quatre, où qui veut dire. Où qui nous veut dire, nous faire couvre. Vous voulez que ça veut dire couvre? Ou bien contre l'éternel Coran. Ça veut dire sortir en dehors de l'islam, on dit qu'à faire. On va faire quoi là? Alors, quel âge pour notre radia? Fankiru ma taba lakum min An-Nisa, Mathna, wa thulatha wa ruba. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Si je perds, alla ta'dilu, qui je n'ai pas capable d'être équitable, qui je n'ai pas capable de faire la justice en deux épouses, je n'ai pas capable de faire la justice en trois épouses, je n'ai pas capable de faire la justice en quatre épouses, les lacs de la dia, l'édite de la haïtienne. Au contraire, c'est le Coran al-Karim qui fait une cause concernant la monogamie en réalité. C'est le Coran al-Karim qui dit, mais c'est mal à la même chose. Si vous perdez, qui n'est pas capable d'être juste, n'a pas fait exception d'une primaire. Vous comprenez ça pour là? N'a pas fait exception d'une primaire. Celui qui a le moyen, qui dit moyen, 2, 3, 4, s'il n'est pas capable, il n'est pas capable de faire la justice, il n'est pas capable. Mais là, à ce moment, limite tout à combien? Un seul. Qui s'en a pu faire ça? Qui s'en a mort pas de faire l'école? Vous ne pas des aînés, voilà. C'est bien. Qui s'en a pu faire ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui s'en a ça? Sourah de m'appelle madame. Sourah de Nisa. Ayat numéro 3. Nous disons un musulman nous disons soumettre. Le volant de Allah subhanahu wa ta'ala. Les armées de musulmans. Alors, cela mérite bien, parler ça du moulin et d'un moyen. Bien bon, je m'explique que ça veut dire moyen qui vise à guetter. Deuxième partie, ça cause là, c'est le dire titre là, right of husband and wife. Qui doit un monsieur et là, dans ce mandat, qui doit
chers, mesdames et madame, ben voilà un hadith qui a même un grand résumé. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح ما استفاد المؤمن بعد التقوى الله خيرا له من زوجة صالحة meilleur qu'une chose qui Allah accorde un mؤمن après qu'il ait acquis la taqwa. Écoute bien, رسول الله صلى الله عليه وسلم dit meilleur faveur, meilleur cadeau, meilleur qu'une chose qui t'apparaît un mؤمن après qu'il ait acquis la taqwa lui taqwa. Mais qui meilleur qu'une chose qui finit ta croix, meilleur qu'une chose après ta croix, c'est que Allah il a connu une épouse qui pieuse. Allah a connu une épouse qui pieuse. Après que finit ta croix, meilleur cadeau qu'Allah nous donne, c'est une épouse qui pieuse. Sa épouse qui pieuse là, Allah a dit que ça veut dire définition une épouse pieuse d'après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui reçoit de le caper une épouse pieuse. Ma sœur est en dé, qu'appelle elle épouse pieuse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit in amaraha ata'athu. C'est qui, quand toi l'homme te ordonne une chose illégale, quand te ordonne de lui un ordre illégal, une instruction illégale, il écoute son époux. Une première caractéristique de l'épouse pieuse, c'est qu'il comme ici là, ordonne ou bien instruit une chose illégale, ça épouse à lui faire. L'écoute ce monsieur. Deuxième, wa in nazara ilayha sarrathu. Wa in nazara ilayha sarrathu. Ça j'ai mis la bouche entière. Vous n'avez pas proposé. Non, l'islam c'est le monde de mes frères. Wa in nazara ha qui comme moi monsieur vous gagne pour madame, comme vous gagne pour madame, sarrathu. L'implier moi, l'implier tout pour mon plaisir. Il vient en bénir elle-même. Il vient enjolir elle-même. Beautify herself for me. Pour que je n'aime pas beautify herself. Vous connaissez aujourd'hui des dames qui ont des filles même plus d'un pied. Vous connaissez nous, musulmans, comment nous vivons nous? Les dames sont au travail, on allait comme matin, les dames ont fini par se passer 5 temps, 6 temps, 8 temps, pas connaît que des problèmes nous ramasser. Chaque des problèmes nous ramasser, le travail nous fatiguer, nous arrivons pour la calme, nous travaillons pour les temps. Je suis fatigué, je suis dégoûté, je n'ai pas de travail, je suis dégoûté pour la case. Je suis fatigué, je suis rentré. Je suis fatigué. Je suis rentré. Je suis fatigué. Je suis rentré, ça n'a pas de faire. Je suis dans la case, maintenant on va être avec ça. Mon madame, si vous voulez, il va en venir, je vais m'appeler, je vais l'accueil, je vais venir, je vais rentrer, je vais rentrer, je vais te dire là-bas. Subhanallah. Il peut y avoir des temps pour moi, bye. Il t'a commencé. Ah, si, il t'a dit, c'est que non, c'est même. Non, c'est que non. Bon. C'est le moment qui t'a pas le voyage. Il prend 3e temps pour parler. Il prend encore 10e temps pour m'appuyer. 5e temps. C'est inquiétant, la mémoire, il y a là qui s'en a tout impressionné. Arrête financière comme une cause dégage des causes qui s'en a tout impressionné. Et on connaît qu'il y a là beaucoup de monde qui a fait pour causer une cause, mais pour causer une cause qui est réelle. Il y a certains, pour dire pour tout, il y a certains du monde, la réalité n'a pas comme ça. Qui voit maintenant, comment dire, madame Nazakadine m'a pillé dans la vie, elle n'a pas, elle est désolée. Il y a un voyage, ce n'est pas pour que tout le monde soit en train de faire. Il y a tout le monde qui soit en train de m'arrêter. Mais toi qui s'en as impressionné là, toi. Toi qui s'en as impressionné. Vraiment, vous ne pouvez pas pourquoi ça va nous dire, c'est la réalité. L'enterré est comme ça. Et ça nous a impressionné. Je suis sous le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vrai. L'état me rend la case. Me fatigué. L'état me rentré, mon frère. À la case, on a une parfum. Un parfum, un bon carré. Et mon madame, vous venez, comment dire, qui s'en a qui venez? Tapez-vous, comment dire, vous faites la peau, un mot chéri qui venez là.
même mon mission est alhamdulillah l'année venue mon vie mon bras se lève sur le front mon bras se lave mon mal est alhamdulillah les hommes qui étaient maquillés très maquillés ils mettaient des jolies lèvres dans le lit bah ils m'ont pas envie d'être des hauts et tout là on est les 10 mandats moi t'es fatigué c'est un coup. Il trappe mon ami, il a de même pétard. Il a de même pétard, vous mettez petit mail là. Mettez deux jolies t-shirts. Mettez deux jolies par corps, qui pour même malade. Alhamdulillah. Venez, il est de vous trouver un petit plein, la table bien décorée. Bien décorée, pas de la plein en nous. Pas de la plein de caviens, je ne vais pas baigner, ça va tout me baigner. Nous qui nous faisons, nous avons dit maintenant que nous les gens. Quand on pense au Bandada, il a pensé au 70 ans, vous voyez qu'il attrape moi, madame, moi, c'est bien où ça. Ok, ok. Frappe sur la main, papa. Rassoulou, je vais pas me dire où elle est où. Papa, tu as ouvert plus là, frappe moi, madame, papa. Rassoulou, ça va pas aller, mais ça frappe la main sur mon épouse. Qui s'en a mis les gens. La vacane, elle a confié Rassoulou, elle a eu soin de la Hassana. Maintenant, il y a un exemple, même de 70 ans, vous regardez ce que vous m'avez dit ici. Amoureux de l'un de l'autre, alhamdulillah, dans l'amour d'Allah. Quel amour, subhanallah. Mais c'est l'un des fatigués, là. Sa façon, madame, la cause en ligne, subhanallah, l'un des fatigués. Il fait son brossing, il met un mal, il fait tout le temps, alhamdulillah, où son lycée. C'est pas comme quoi le mariage. Il voit bien islamiquement. Et pour comprendre ça, il faut bien aller voir la prochaine personne. Tant que ça les contraire, il y a bien l'idée, il y a bien l'idée, décemment, comment, selon la chaleur. Pendant l'année exagéré, selon la chaleur, ils sont ex-homiciers, ils viennent de penser ex-homiciers, ils reviennent d'Iran, ils parlent à la prochaine personne, ils viennent de la prochaine ex-homiciers, alhamdulillah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa in nadhara ilayha kamo bihli, sabratu libriyamu. Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa in aqsama alayha abbarratu. Qui comme confier lui une petite chose à madame là, qui lui fait honneur à sa petite chose, qui lui fait travail d'intelligence, confier lui une petite chose, qui lui fait honneur à sa petite chose là. Si vous donnez vraiment sa petite chose, il ramasse lui. Si vous confier lui un secret, qui lui préserve, il va divulguer lui, etc. وإن غاب عنها إسيس ميسلا لأحسن تسمى لنا سنديبا إن الوياسة بايزان إلى النبي بايزان الوياسة ولا ولا كاس نصحته في نفسها سمى لنا لبرزير بيمن وما لي إلى برزير تبين de ce monsieur elle se préserve pour son son époux et il préserve bien sûr ce monsieur voilà la caractéristique un époux deuxième, qui doit être ici en pour une madame, c'est qu'une madame n'a pas qu'un droit d'ordre rosa nafil, totalement bien que me dire, qui rosa le média là. Une madame n'a pas qu'un droit d'ordre rosa nafil, excepté avec permission, je m'y sais. Je ne vais pas que ce rosa remplacer la madame, ça n'est pas ça. Pas qu'on remplace les mines nafil, non, 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 il reste pas le même. Rosana Phil, elle madame Henri de Rosana Phil, il gagnera dans les excepté par la permission de son époux. La basoul marmata wa ba'aloha shahidul illa bigidne, excepté par permission de Michel qui gagnera dans les Rosa qui surévocatoire. Troisième, écoute ça bien, mon frère, mon sœur, écoute bien, elle descend. Les bisins tout le temps remercient Michel là. Pour ce, pour être chaleureuse envers elle, pour être bon envers elle, pour tout le bon qui soit, et pour ne pas qu'il y brille, ma femme, Michela, vous faire brûler, alhamdulillah, ma bonté qui Michela a été envers lui, pour ne pas oublier ça. Rasoul alayhi salatu wa salam, cause un hadith, cause un al-mi'raj. Al-Nabi sallallahu alayhi wa salam dit Uritu nara fa ida akfaru ahliha al-nisa'a. Qui Mofin, les mofin aller, mofin remorquer, mofin trouver, comme on a l'homme hélas, mofin remorquer qui est dans Jahannam, plie beaucoup sur votre habitation, plie beaucoup sur
habitation, c'est bal madame. Plus beaucoup de gens madame, vous trouvez que c'est bal madame. Kina, vous finissez avec Jibril, avec Salam, vous finissez. Ayat Fournabilla, est-ce qu'il m'a fait pouf envers Allah? Est-ce qu'il m'a fait ingrat? Est-ce qu'il m'a fait mécru envers Allah? قال جبريل عليه السلام جبريل ريكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفرنا العشير نو يغفرنا العشير زلفنا الانغاء avec ce époux ويغفرنا الاحسان زلفنا الانغاء avec la bonté qui époux là fin est envers eux لو احسنت الى احدهن si ça époux là tient bien Tu agis bien, tu es informé sur mon épouse, tu agis bien avec eux. Et il y a une seule chose qui part avec de la part de ce Michel. Michel, tu agis bien, madame là. Un jour, la main arrive, une petite chose, Michel, tu le trouves dans Michel là, tu pars avec. Quand madame là, dit Mara et tu minka chéra, jamais mon doute, tu as fait une petite chose de toute la vie. Allah. Tout ça dit bien, ça bon, qui ça est pour la finalité que je l'épouse. Un seul élève m'a dit, elle est arrivée là. Madame là, il est dans l'enfer, vous voulez qu'il fasse. Tu brilles à cause de dire, je brille tout pour dire Michel là. Mais comment un petit affaire arrivé, parce qu'il sent qu'il fait l'air, un petit affaire arrivé, lui dire, toi, tu peux n'en rien pour toi. Non, ni comment tu fais bon pour moi, jamais. Brillez tout instantanément. Une des raisons qui fait madame dit pourquoi vivre dans l'enfer. Hadith Sahih Bukhari. Quatrième, et madame, elle m'a rappelé à la ala bayti zawjiha wa waladihi. Et madame, elle est en charge de la maison et elle est en charge de l'enfant de son époux. Est-ce qu'il y a une madame, elle est grand, l'importance dans la vie, oui ou non? Et madame, elle est la reine de la maison. Et c'est lui qui gère sur la race, alhamdoulilah, et c'est lui d'ordinairement qui produit sa production, ce qui nous était aujourd'hui, alhamdoulilah. Tout le meilleur pour nos mamans, alhamdoulilah. C'est la dame qui sa première université pour sa main, sur la cause. C'est ça, l'idée de ses enfants, l'idée que ses enfants-là, il est moutakine et l'intelligence de demain, la force de Oumma de demain, alhamdoulilah. Sa madame-là, pour ça, il y a une education. She should be educated islamiquement, académiquement. L'église est bien formée, cultivée, elle a un bon caractère, elle a un bon niveau de connaissance pour qu'il y ait aux enfants, il y a un bon produit de sa bonne maladie de l'enfant. Cinquième point, elle, madame, n'a pas qu'un droit, quitte la case, ce monsieur, sans permission, ce monsieur. Elle n'a pas qu'un droit, quitte la case, ce monsieur, sans permission, ce monsieur. Et sixième point important, elle madame n'a pas qu'un droit d'accueillir un timoun qui s'en mis chez là, si il n'est pas content, ça a dit mon ami, j'ai mis chez là, mon ami n'a pas qu'un droit. Il n'a pas qu'un droit d'accueillir un timoun qui s'en mis chez là, n'a pas content sur présence, peut-être qu'il a une raison. Mais madame là n'est pas capable, on va lui dire contre j'ai mis chez là. Non, il n'est pas qu'un droit. Troisième partie, ça cause celui-là. Droit et madame Losso Michel. Droit et madame Losso Michel, courant, boum, comme Nigrello. Wa ashiru hunna bil ma'amouf. Allah Azza wa Jalla, wa ashiru hunna bil ma'amouf. Et vive avec madame bien. Comporte-vous avec madame bien. Pas comment dire, ou un taureau qui va dans ta cage avec elle. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, et madame, il y a un code qui déjà dit comme s'il courbait. Tu redresses les points de vue, les casser, polini, mais pas redresser. Un nabi, ça va pas aller, ça veut dire polini, il vous glacer, il vous réfléchir, mais pas redresser, tu redresses les points de vue. Un nabi, ça va pas aller, il brise, il casse. Non. Rasulullah, ça va pas aller, ça veut dire, Akbalul Mu'mini, Iman. وأحسنهم خلقا ميا من مؤمن بل من ميا مؤمن كنا سيبان
qui a un iman complet, il a un iman ferme, mais en même temps, il a un meilleur caractère. Il a un iman et il a un meilleur caractère. Il veut dire, « Wakhia alokoum » est meilleur parmi eux. Quel sahadith qui m'a connecté, frère Zer? Quel sahadith qui m'a connecté? Meilleur parmi eux, celui qui a un meilleur iman, en même temps, un meilleur caractère. Et « Khia alokoum »« Wakhia alokoum » est meilleur parmi eux. Meilleur parmi eux, c'est celui qui n'a plus de meilleur caractère envers son épouse. Qui est impatient, cette épouse. Deuxième, un monsieur, lui obligeait, encourage son madame pour obéir à Allah avec amour. Il disait la patience. Il disait encourage ce madame avec amour, mais ne pas être violent. Allah subhanahu wa ta'ala de même l'autre. بعده من أن الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا sauve ce même et sauve votre famille. Vous devez monsieur pour faire pour madame apprendre l'islam, pour enseigner madame. Si vous donnez ma taille, vous ne laissez pas exemple ici. Vous devez voir et là vous savez que vous prenez leçon. Je me disais ensemble pour ma soeur Lisa, voilà quelle histoire d'amour. Tous les deux venus apprendre son dîme pour toi. Après, un problème, inshallah. Instruisez-vous de notifier l'éducation d'île, l'éducation académique et restez ferme dans le dîme, alhamdulillah. La case, vite, si vous pouvez apprendre. Il n'y a pas de dix bains de mousse, t'as bien dix pour l'écouter, faudrait que c'est quand même un bon nombre de la zone, quoi, je vous dis. Non, non, non. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fallait pas ouvrir le nez ou madame. Il ne fallait pas prendre le nez, madame, et la Michelle, elle a dit qu'il y a une madame. Voisin, ce voisin avait demandé, Marie. Voisin, ce voisin avait demandé. Laisse mon camarade, vous venir. Laisse mon camarade, il y a une copie. Ce mon frère, il y a une copie. Il crie, madame, il y a une madame, il y a une copie. Il dit, moi, il va tout ça, un jour, madame. Bien cité. Ou soit, il vient de manier. Au lieu d'aller dans la cuisine, soit, il y a dans la salle, là où il y a ce madame, là, mon quartier, mon chéri, ma petite fleur, vous connaissez. L'identité, pas de la petite affaire, c'est que je l'ai rendu la guerre, sa façon de faire là, pour votre café, tout ça. Alhamdulillah, malheur, il était bon, il fait des barrières. Toi, vous dites pas là, maintenant, vous restez en dit là. Alors, pas qu'il va pour se le dire. Vous soyez ça. Vous avez un problème avec lui, vous êtes mon frère, frère, alors si mon frère met ton propre matière, mon frère met toi, il va te parler dans mon vécu. À cause ça, à cause ça, frère, il disait, mais qui n'a arrivé. Et maintenant, on est qui n'a arrivé. Frère, il y a un très gros passant à péter. Non, il n'a arrivé, il y a un peu de gagne. Quatrième voie que madame est là, on vient de lui son mahar. On est obligé de lui son mahar. Nous appelons soit un mahar, soit on appelle al-ujur, ou bien ajr, ou bien on appelle sadaq. Tout ça, on avait déjà mahar. Ça nous donne sur le dawri, celle qui nous appelle mahar, mais on est obligé de lui mahar, pas sunnat ça. Bon, il y a sunnat, mais il faut envoyer mahar, là, obligatoire de lui mahar. C'est pas mahar, pas 27,50. Mahar pas 27,50. Ça n'a pas preuve. Mahar n'a pas dit ça. Il n'y a pas 27,50, il n'y a pas de papa à dire ça. Papa n'a pas dit ça, mais il n'y a pas de mahar, il n'y a pas de haram ça. Ma malade, elle me dit, elle me dit, elle me dit, haram ça. Mahar, c'est consentant en sa mort, son acte, sa petite fille là. Mahar n'a bien aimé. Les consentants en sa dans son tifila. Tifila qui demandait. Dans son âme, il vient pas proposer, mais tifila qui acceptait ou pas, c'est ce droit sa tifila. Dans son âme, il proposait, mais pour le moment, il n'y a pas de faire. Tifila dit non, pas d'accord, c'est ce droit. C'est vous droit, ça, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Oui, c'est vous droit. Mais quand ça vient, quand ça vient. C'est vous droit. C'est le droit de la fille demander et que ce n'est pas qu'elle va rentrer là-dedans. Et ma harba, les petits filles, ça va pas parler comme des pas là-dedans. Non, non, non. Ou bien quand il fait un gain sur ma harba, il prend ma harba, il
pour les gens, il fait une envie pour moi, en tout cas, pour les gens. L'idée de Mahal, c'est de marier du gift qui est obligatoire de lui. Il fait une affaire, il m'a dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran, wa adun nisa, sadouqati hinna, nikhla, donne sa Mahal, nikhla, par le quête des guerres, il m'a dit, on est quête des brisés comme des aïe. Pas de Mahal, pas de Mahal, on est quête des fées, mal, bah, il m'a dit, donne les guerres contents, l'appétit. Donnez sa mahar, allez, les guerres contents. Seulement oui, subhanallah. Subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, khayru sadaqi aysarahu. Et madame Guilleuse, meilleure sadaqi qui demandait mahar, c'est ce qui est plus facile pour sa michéda. Madame Nani, qui analyse la situation michéda, dit des manches qui est plus facile. Lui n'a pas eu à ce moment-là, les gars, il m'a dit que mahar, il m'a dit que les soeurs étaient parmi nous. 3 millions 2750. 3 millions 2750. Et ça, là où c'est qu'il trouvait plus facile pour lui, alhamdoulilah. Ça, elle m'a dit que c'est des mots de ça. Et si on connaît Mahar qui était là à l'époque, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce niveau-là, qui vous connaissez le niveau qui qualité le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, pas qu'il a mangé, vous connaissez ça. Il y a des moments quand il y a des difficultés qui passent. Comment ça va, ça passe un rôle sur le sol, ça passe des rôles sur le sol, justement. L'inquiété soit plus souvent ça va être mort, c'est quand même un tabli, la moitié d'un pourri, si on va se faire un peu de il va se manger dans le sol, pourri sur le monde, dans le monde. Donc ça va être un moment-là, il y a qui, comme il disait, moyen pour moyen, il acceptait, madame, parce qu'il était tout ça là, je le misère. Et pour moyen, quand il demandait, mais le sol va demander, ça m'est là, qui tu es là, madame, tu dis pas non, il est moi. Madame, tu dis non, pas Michel. Tu dis non, il est moi. Le sou sur le roi, allez, vous ça, combien est courant de votre parquet? Il dit que quand tu sur la tombe, c'est parquet. Il dit que ça, madame, tu m'auras. Madame, tu m'as accepté. Et vous connaissez qui s'en a pris meilleur, madame, qui existe? Fatima Tazaka, le point à noter pour ce mahar, lorsque la réunion sur la tombe, ça me dit faire vite de mahar. Et pas de mahar, moi j'avais fini d'être contre l'heure. Gagne pas de donner après, mais meilleur de l'abord. Fais vite donner. Qu'il a des témoins là-dedans, papa là, des témoins, il a des témoins pour témoigner qu'il a accepté sa mahar là-dedans. Et sa canola, il témoignait qu'il vient accepter sa culture là. Fatima de Zahra, radiallahu anha, Sayyidina Ali, Shayri Khouda, radiallahu anhu, warda. Comment il y avait Fatima de Zahra, radiallahu anha. حسب علي رضي الله عنه بينما حرق جنيه النبي صلى الله عليه وسلم يا علي كتبنا قد الفاطمة جمو بين النوني يا رسول الله وبتعديك شانو بكوشلانو رسول صلى الله عليه وآله وسلم جير تلع سين دو شوال دالا ساتين سين دو شوال دالا دوكوين علي تلع قوتين دافير ويا رسول الله دمسا فاطمة Denis Fatima. L'enlève de Biwayat. Un support simple qui comme tirer simple et fité, il a fité. L'enlève de Biwayat, il a fait un support qui s'appelle le moulin, il a tiré, il a fité. Je vais donner ça. Ça même Mahar Fatima dans le Zahra, radiallahu ça même son Mahar Fatima dans le Zahra, radiallahu anha. Alors on ne fait quoi ça, pas médias. Ils sont des juste diabos qui ont conduit, boudoir, c'est Mahar, c'est boudoir. Mais vous demandez aussi avec Ihsan, vous demandez avec précaution, pas demander quelque chose qui est exorbitant, exagéré, qui entre, pas dire que vous mettez un pas moi, vous parlez, vous dites que vous ne pouvez pas accepter, quoi. Il devait apporter que vous ne pouvez pas accepter. Pas faire moi, je vous demande un mahar qui va aller, ça va être sauvé à cause mahar. Et mahar, le cadeau, c'est qu'il t'a fait demander, il est consentant entre les deux qui peuvent mourir là. Pour s'entendre qui s'en a, les deux qui peuvent voler. Si Philippe demande en casse, les deux ils cassent. Il demande ça en bisous, donne en bisous. Si Philippe a dit que tu veux pour moi, tu connais mon pour moi, pas connu. Regardez, si qui, dans un tel esprit, tu l'apprends, tu le donnes en bisous, oui, en tout cas. Est-ce que tu apprends le donne en casse, tu te donnes en tout cas. Il faut s'entendre, mon Dieu, mais pour que tu ne pas tant, c'est correct. Ou bien si Philippe a dit comme ça, mais donnez-moi, mais comment, c'est 5 euros. Pas 5 000, 27 000, 50 000.
Ça reste dans la case, c'est moi qui m'occupe dans la société, personne.
fais ta boudée là. Non, personne ne connaît tout ce qu'il nous voit. Tout ce qu'il ne connaît pas, c'est pas comme on voit dans la carte. Écoutez, jusqu'à qui nous, je vais d'abord. Voilà, ça cause le message. Quand nous conseille un mariage, ne fait pas de mariage qui n'est pas exagéré, frère, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Khudu anni manasikakum. Répète sa haditha Khudu anni manasikakum. Adoptez de moi une méthodologie, une coutume. Like, man.
mettez tous les œufs sans terre, sinon vous allez nicaler la terre, là, beaucoup boule. Ça, les gars, vous allez la faire, ça, trois dix, maintenant, ça n'a rien. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, nous fassions suivre Sunna, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait une chose qui est exagérée, il n'a pas fait une dépense qui partisane. Le mariage, c'est un contentement. Il n'a pas fait un mariage ressembler à une maquette, comment le dire. Le mariage, c'est un contentement et que l'équipe est content, nous faisons, comment le dire, et nous faisons le maximum pour observer Sunna, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet, le message de aujourd'hui, Nikah selon la charia, et Inch'Allah, Azza wa Jal, vous demandez qu'on t'a droit pour faire Kouboul. C'est celui qui ne causait pas les meilleurs, celui qui fait écouter, Alhamdulillah, Allah donne tout d'enfir, et voici le dîner, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et Inch'Allah, la troisième semaine, Allah nous propose le sujet qui est à la Inch'Allah. Mustafa, say.
سيدنا محمد الرسول
صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتنا بإمدادات كل أهل بيته وأصحابه، اللهم أمتنا بإمدادات الشيخ العبد القادر الجيلاني، والشيخ الأحمد الرفاعي، وشيخ أبو الحسن الشاذلي، وكل مرشدنا في طريقتنا مولانا أحمد النوراني يا أرحم الراحمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.